Et ben voilà, c'est le concert privé de Marc-Antoine ce soir, et nous vous présentons Sophie et Mélanie. Et Mélanie. Les deux gagnantes VIP qui, dans quelques minutes, alors ne le dites pas, vont rencontrer Marc-Antoine en loge. Faut pas le dire, parce que hein, tout le monde ne peut pas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient. Qui peuvent pas, et en plus elles ont même pas de passe, elles sont comme ça. Elles sont là comme ça, juste c'est nous qui les avons fait rentrer. Ça se trouve, ce n'est même pas Marc-Antoine que vous avez rencontré. Tout à fait, un sosie. C'est une grosse arrêtée, c'est pour être rigolo. On y va. Marc-Antoine n'est peut-être pas là. Attention, peut-être que derrière cette personne se cache Marc-Antoine. Ou peut-être pas. Attention, mon gros, à trois, je peux te pousser, ça peut être très violent. Oh, il est là. Alors, on te présente nos auditrices VIP. Sophie et Mélanie. Sophie. Voilà. Bon, approche-toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà. Marc-Antoine, Sophie. Sophie, Marc-Antoine. Voilà. Enchanté. Pareillement. Oh là. Oh là. Oh là. C'était pas dans le cadeau, ça. Hein. Bien, vous avez aimé, vous êtes amusé. Et voilà. Ah d'accord. Bon, d'accord. Alors le débrief du concert. Oui. Vous avez pas remarqué une fausse note à un moment donné en... Non, pas fait attention. Mais faut... Alors la réponse était, mais non, il n'y a jamais de fausse note avec Marc-Antoine. Voilà. Ouais, Sophie, t'as encore du temps. La mise en scène, les poissons. Vous savez que c'est Marc-Antoine qui a choisi les poissons. Chaque poisson derrière a été choisi. Ouais. J'étais les chercher à la mer. Oui, c'est ça. Faire Marc-Antoine pêche. Bon, bah, au Canada, cool. On fait ça. Sinon, il est aussi beau qu'à la télé. Même plus. Il est potable. Bon, Marc-Antoine. Il est potable. Nouvel album le 29 mars dans les bacs. Et à ta santé, je vais boire ce jus de pomme. Mon gros. Allez. Chin. Marc-Antoine. Tiens, ça prête le mien si tu veux. D'accord, bah oui, ça. C'est vraiment la bouteille. Tu vois, voilà. Allez. La bouteille pour le tolier. C'est qui? Voilà, oui.